ACEDEM, l'Association pour la protection des enfants déficients mentaux, a été créée en 1989 par feu maître Aminata Mbaye. Et c'est en 2003 que le centre Aminata Mbaye de Dakar a été créé. Et aujourd'hui, on accueille 160 enfants et jeunes déficients intellectuels, à savoir des trisomiques, des autistes, des IMC, c'est-à-dire les infirmités motrices cérébrales, et d'autres pathologies associées. L'année dernière, on a reçu une formation avec la 3FPT qui nous a financé un projet de teinture batik. Et pour ce projet, on a bénéficié pas mal de techniques avec des encadreurs qui nous venaient de Rufisc qui étaient venus pour nous aider. Donc, comme on a des ateliers au niveau de l'école, nous avons jugé nécessaire de multiplier les activités qui s'y font, raison pour laquelle on a fait appel aux 3FPT, le Fonds de formation professionnelle et technique, pour leur demander de nous financer une formation pour les jeunes adultes, chose qu'ils ont faite, et on a bénéficié de leur appui pour les jeunes-là, aujourd'hui, puissent faire la formation en teinture batik. Celle-ci a duré 3 mois et cela a été très bénéfique pour les enfants, et pour les jeunes adultes, je veux dire. Et cela a eu un impact parce que ça leur permet aujourd'hui, pour ceux pour qui on ne pourrait pas avoir une insertion professionnelle, ça leur permettrait d'avoir une activité génératrice de revenus. Donc en quelque sorte, la 3FPT nous a aidé à améliorer notre atelier dans le domaine artistique pour pouvoir réaliser des articles de maison comme les coussins, les draps de lit, donc et autres choses.